السلام عليكم. أوكي، سلام حكيم، أيوة، نقدر نبدأ إن شاء الله. بإذن الله. vous avez diffusé le live, c'est bon. On peut d'abord. Oui, docteur. D'accord. Salam tout le monde. On va faire normalement trois cas cliniques. Commençons par le premier cas clinique. Ani chouf me diapo Hakima. Bon, un homme de 82 ans aux antécédents de cardiopathie sous traitement consulte pour un arrêt des matières et des gaz, une distension abdominale évoluant depuis 48 heures. Donc, qui m'a mal fini, énoncé Blakal, un homme de 82 ans, donc âgé, un homme âgé, aux antécédents de cardiopathie sous traitement. Dis ma cardiopathie sous traitement qui me délque, ou un doigt qui me délque. حاب يحكي على les anticoagulants ولا يحكي على thrombose mésentérique. هادو لي بروبليم كاردياك بكل يعطيهم لك في لي بروبوزيسيون مادام مد لك في لانسي كارديوباتي سو تريتمون. كيما مد لكمش كارديوباتي سو تريتمون لي مالادي ترومبو امبوليك بكل ا اليميني. دونك ان هوم دو 82 ans aux antécédents de cardiopathie sous traitement consulte pour un arrêt des matières et des gaz, une distension abdominale évoluant depuis 48 heures. Donc, arrêt des matières et des gaz, c'est un syndrome occlusif. Syndrome occlusif, c'est un arrêt des matières et des gaz douloureux. La durée, c'est 48 heures, 72 heures, la durée. L'essentiel, c'est un arrêt des matières et des gaz. C'est obligatoire des matières et des gaz. Quand il y a un arrêt des matières, ce n'est pas un syndrome occlusif. Arrêt des matières et des gaz avec une distension abdominale. Donc, une distension abdominale, ça va orienter vers une occlusion basse. Pourquoi une occlusion basse? Imaginez-vous qu'il y a un obstacle, soi-disant, goulou, par exemple, le sigmoïde. Donc, un obstacle colique basse. Les matières et les gaz, tout le côlon, les intestins, donc le segment d'amont l'obstacle est plein ou le segment d'aval est construit. Donc on a une distension abdominale, معناها l'abdomen beaucoup معمر بالماتيير. Quoique les occlusions hautes, par exemple le volvulus ou la occlusion sur bride, l'essentiel une occlusion haute, obstacle les intestins ou la l'essentiel par strangulation ou là par obstruction. L'essentiel, le problème est haut. Qu'il y a le segment d'amont, l'obstacle. Le segment d'amont est construit, c'est déjà quelques intestins. Ou le segment d'aval, il y a le reste des intestins, mais à tout le côlon. Avec le segment d'aval, il peut vider le contenu parce que il y a obstacle. Voilà l'obstacle, c'est ce que nous avons. Avec le segment Kemel, Ahividi, les matières et les gaz. Donc, on ne va pas trouver vraiment une distension abdominale. On va trouver un abdomen affaissé. Par contre, les occlusions basses, Ahigul, quelle est la distension abdominale? Donc, déjà, l'énoncé qui est distension abdominale, trouve beaucoup plus vers une occlusion basse. J'espère que vous me comprenez. Amis, comme tu m'as fait Oui, docteur. تسمع فيا مليح؟ Oui, راه مليح الصوت. D'accord. Donc, arrêt des matières et des gaz, une distension abdominale évoluant depuis 48 heures. À l'examen, on note un tympanisme diffus. Un tympanisme diffus, معناها l'abdomen معمر بالغاز. Une sensibilité à la palpation, l'abdomen est sensible les occlusions, et au toucher rectal, c'est obligatoire le toucher rectal pour l'examen clinique. Chaque malade en arrêt des matières et des gaz, syndrome occlusif, on doit faire un toucher rectal. À la recherche, nous trouvons l'ampoule rectale est vide ou non. On a gagné les matières de l'ampoule rectale ou non. Quand on a l'ampoule rectale pleine, qui met où on a un syndrome occlusif, on a gagné l'ampoule rectale pleine. On a gagné les matières, on a gagné la continuité. Ou bien, les occlusions hautes. Les occlusions hautes qui m'a goûté comme le bout d'aval,
ورا ورا لوبستاكل هذاك لو سيغمون il est plein des matières ما قاعد يفيدي فيهم donc كي نلقاو اون امبول ريكتال بلين ça va pas éliminer une occlusion intestinale la période l'oula on بعد après la vidange تاع le bout d'aval راح نلقاو une ampoule vide مع l'évolution donc تاع le syndrome occlusif ou راح نلقاو après بعد شويه une ampoule vide après la vidange بصح les occlusions basses راح نلقاو carrément dès le début une ampoule vide donc à l'examen, on note un tympanisme diffus, une sensibilité à la palpation et au toucher rectal, l'ampoule rectale est vide. À l'ASP, l'examen de première intention devant un syndrome occlusif, c'est l'ASP à la recherche des niveaux hydroaériques. Donc, à l'ASP, des niveaux hydroaériques plus larges que haut sont trop avec un énorme arceau périphérique. Donc, à l'ASP, les signes direct à l'occlusion des niveaux hydroaériques ma énorme arceau périphérique. La première question, parmi les diagnostics suivants, lesquels allez-vous évoquer dans un premier? Donc, devant un syndrome occlusif, tu as un homme âgé, cardiaque, une cardiopathie. Quels sont les diagnostics à évoquer? Première des choses, une volvulus du jéjunum. Volvulus du jéjunum, c'est une occlusion haute, rare, beaucoup plus chez les jeunes. Volvulus du jéjunum, mais le jéjunum, c'est l'intestin qui est tordu. Donc, c'est une occlusion haute. On a l'abdomen affaissé, mais qu'est-ce que la distension abdominale? Très douloureux parce que la vascularisation a tout rôle fait l'hkaya. Les volvulus fiment la partie de la vascularisation, c'est très très douloureuse l'occlusion par volvulus intestinal, donc à éliminer devant la distension abdominale, devant l'âge du patient, devant la description, l'ASP. Donc, A, non. B, un cancer colique en occlusion. Un cancer colique en occlusion, oui. Les cancers coliques, donc le colon, le qualifie l'obstruction, donc c'est une occlusion basse. Un homme de 82 ans, déjà âgé. Donc, les cancers coliques plus fréquents, chez les sujets âgés, donc avec un syndrome occlusif basse, qui m'a dit maintenant, arrêt des matières et des gaz avec distension abdominale, ils sont compatibles avec un cancer colique en occlusion. Un ileus biliaire, c'est la migration d'un calcul, qu'on a une vésicule multilithiasique avec des macro-calculs, la migration d'un calcul, duodénum, d'une une occlusion, c'est l'iléus biliaire. La hajra hadik bloque duodénum, donc c'est une occlusion haute, le même que le volvulus du jéjunum, les mêmes critères d'élimination, occlusion haute. Une pancréatite aiguë, c'est pas du tout le tableau. Une pancréatite aiguë, c'est une douleur épigastrique, c'est des épigastralgies à irradiation dorsale avec des vomissements, altération de l'état général. Ce n'est pas du tout le cas. Mais qu'est-ce que l'arrêt des matières et des gaz? C'est. Maintenant, je me lis la proposition E. Un infarctus mésentérique. هو عليه كيما في الديبي قلت لكم كارديوباتي سو تريتمون كيما الكارديوباتي الحوايج لي انفاركتوس لي ترومبوز هذوما بكل مادام هاد الكارديوباتي دونك سا بو اتر اون كوز دونك كيما لك انفاركتوس ميزونتيريك معناها ان مالاد كارديوبات باغ اكزومبل سو سانترون ولا عندنا لي زومبول عندنا لي زومبول هذوك لي ترومبوز يجيو في لي زارتير mésentérique. On a le mésentère qualifie la vascularisation de l'intestin ou le colon.
هذوك لي ترومبوز هذوك يجيو في لي زارتير لي فاسكولاريزيو ولا لي زانتيستان والكولا. دونك واش عندنا؟ عندنا نيكروز باغ اوبستركسيون فاسكولير. ونيكروز هذا انتستان نيكروزي حيدلنا اغي دي ماتيغ اي دي غاز اوبستركسيون. دونك شي شاك باسيون كارديوباتي مثلكم في لي نونسي ان كارديوبات ديما هذوما الحكايات تاع انفاركتوس وكذا كوشيوهم باسكو ان كارديوبات قادر دايوغ كي يجيكم في لي زورجونس ان باسيون افيك ان تابلو دولورو ابدومينال باغ اكزومبل جاي كوم باسيون ا 10 ans اجي دو 60 ans سو سانترون يعني سوز انتي كواغولان جاب ان تابلو دو دولور ابدومينال اري دي ماتيير اري ولا نون تاع لي ماتيير اسونسييل دولور ابدومينال انتنس سنسيبيليتي ابدومينال لازمكم ان انجيو سكان اون اورجونس لو بروميي اكزامان هو ان انجيو سكان معناها سكانير تاع لي فيسو لي في لابدومين انجيو سكان نيليمينيو الساعة لانفاركتوس ميزونتيريك اون كومبوزانت فاسكولير ومن بعد نحوسو على اوتر ايتيولوجي تاع لوبستركسيون. دونك ديما كي مدلكم سوجي اجي مع كارديوبات سو سانترون ولا سو زونتي كواغولان كذا مع دولور اري دي ماتيير كي مدلكم مع انفاركتوس ميزونتيريك كوشيوها جماعة ميم في حياتكم مستقبلا لازم ان انجيو سكان بور اليميني باسكو انفاركتوس ما يلعبش هاي ايفولوسيون دو كالكو زور ومن بعد سي بون vous allez perdre le malade. Donc, les propositions justes, c'est le cancer colique en occlusion et l'infarctus mésentérique. حكيمة متبان شوية ديابو برك كنت صغر فيه شوي فهيبان Parmi les explorations suivantes, lesquelles aideront au diagnostic? Parmi les explorations suivantes, Hakim, كنا رجعنا تبارك كيما كانت درك. Donc, parmi les explorations suivantes, lesquelles aideront au diagnostic? Une amylasémie? Non. Une amylasémie devant, d'ailleurs, Bekeri kan yديرو l'amylasémie devant un tableau de pancréatite. Donc, c'est la lipasémie. Amylasémie, هذه ما عندها ما تكونش ni في البنكرياتيت ni في syndrome occlusif ni في rien. Amylasémie, راهي ما عادتش utile. B, une échographie abdominopelvienne. L'échographie, elle n'a pas de sens dans le syndrome occlusif. Parce que les gap, surtout les occlusions basses, qui j'ai dit le radiologue l'échographie. L'examen gêné par l'aérocolie, l'abdomen très distendu, les gaz, il va rien trouver. Une échographie, mais un examen devant un syndrome occlusif. Devant un syndrome occlusif, quel que soit notre cochiche, l'échographie. C'est l'ASP. D'ailleurs, nous avons dit l'ASP. Dans les pays qui se respectent directement, ils disent la TDM, l'ASP, c'est abandonné. C'est l'ASP pour le diagnostic positif ou c'est la TDM pour le diagnostic étiologique. Ben, nous avons l'obstacle ou la soi-disant le volvulus ou la n'importe. L'étiologie. Donc, une amylasémie, non. Une échographie abdominopelvienne. Non, l'angioscan, oui, pour éliminer un infarctus du myocarde, on doit faire plutôt un infarctus mésentérique,
on doit faire un angioscan. C'est un examen de mais syndrome occlusif, dire un angioscan. Non, parce que le malade est cardiopathe, âgé cardiopathe, c'est pour ça qu'on dit angioscan, parce que chacune a fait un infarctus mésentérique. Il y a qu'un malade autre, par exemple, mais cardiopathe, plus jeune, mais cardiopathe, mais dire carrément angioscan, parce que carrément, mais c'est qu'on infarctus mésentérique. Mais si on a dit angioscan devant tout syndrome occlusif, non. Ben, qu'on a pris l'examen de choix devant un syndrome occlusif, c'est la TDM. C'est la TDM abdominopelvienne. Mais kench angioscan devant des critères moyennés. En échographie, mettre Kossiouhech carrément, ou l'aspect pour le diagnostic positif. Kounigoulik, par exemple, à la recherche d'une étiologie de l'occlusion, quel examen? Il article ASP, ASP non, mais ASP, mais il y a le diagnostic étiologique. Il met le barque, il y a des niveaux hydro-aérés, il met le arceau, plus ou moins aérientique vers une occlusion basse ou la haute, à largeur, à les niveaux hydro-aériques plus larges que haut, la centrale ou la périphérique. Et il y a est-ce que c'est une occlusion basse ou haute? Mais ça, il met le diagnostic, non. Devant le diagnostic, plutôt le diagnostic étiologique, non, devant la recherche d'un diagnostic étiologique, on dirait la TDM. IRM abdominopelvienne, mais il y a des couilles ou une TDM. D'ailleurs, ma rouge, examen d'urgence. Les cas cliniques à l'urgence, l'IRM n'a aucune place. IRM, ma rouge, examen d'urgence, je mets. Un lavement aux hydrosolubles, Bekerik, nous dirons un lavement aux hydrosolubles. دركا مع لا مع لا ديسپونيبيليتي دو لا تي دي ام لافمون اوز هيدروسوليبل ما كانوش يديروا سي بوكو بلوس لافمون اوز هيدروسوليبل في لي فولفولوس دو كولون بيلفيان لي فولفولوس دو كولون بيلفيان سورتو نديروا لافمون اوز هيدروسوليبل دون ان بوت دياغنوستيك اي دون ان بوت thérapeutique. D'ailleurs, les volvulus du côlon pelvien, le tableau clinique, c'est une occlusion basse, un sujet âgé, beaucoup plus, qui m'a dit un cas. Donc, à ne pas éliminer, non, à ne pas éliminer un volvulus du côlon pelvien. Donc, Adrien, hotton, un lavement aux hydrosolubles. Donc, les choix, la réponse juste, c'est. Une écho plutôt un angioscan et un lavement aux hydrosolubles. Je mets à devant les sujets âgés, constipés chroniques, avec une occlusion basse, dis-moi le volvulus du côlon pelvien. D'ailleurs, cliniquement, ah oui, ben, cliniquement, mais dis-moi à ne pas éliminer un hein, sujet âgé, occlusion basse, à ne pas éliminer un volvulus du côlon pelvien. Mais le côlon pelvien, il est sigmoïde. Et ça a un volvulus. C'est une occlusion basse. Lavement aux hydrosolubles, dans un but diagnostique, parce que l'image indique le volvulus, plus l'injection indique, ça va réduire l'occlusion, ça va réduire le volvulus. Passons aux troisième question. Après mise en condition et récupération de toutes les explorations radiologiques et biologiques, on décide d'intervenir et explorer chirurgicalement. L'exploration chirurgicale retrouve un épanchement péritonéal avec des lésions ischémiques du côlon gauche. Parmi, donc, mise en condition, devant tout syndrome occlusif, c'est la mise en condition. La mise en condition, je fais, hein. Ben, à la mise en condition générale, il y a deux abords veineux, bilan biologique et tout, ta, 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 qui m'a mal fait. Puis, la mise en condition spéciale, t'as l'occlusion, il y a les deux sondes, double sonde, sonde nasogastrique, pour vider le bout d'amont, pour vider le segment de l'obstruction, et sonde rectale, ben, pour stimuler la reprise
du transit ou bien nous le bout d'aval ou le segment après l'obstruction, est-ce qu'il est vide ou non? Carrément, maintenant, la chirurgie où le malade va reprendre son transit, belle mise en condition, la sonde, la double sonde. La sonde nasogastrique, le bout, c'est beaucoup plus les occlusions hautes, mais l'estomac, qui est occlusion haute, l'estomac est très plein, avec être vidé. Le bout d'aval, ou la sonde rectale, le bout d'aval, les occlusions hautes qui m'a le bout d'aval est plein. Donc, même quand il y a une occlusion haute, la sonde rectale, ça va aider de vider le bout d'aval. Donc, pour vider le segment d'aval et pour stimuler la reprise du transit, dire la mise en condition et on répète l'aspect, ben, tu vois les niveaux cardiniques mobilisés ou non. La mobilisation des niveaux hydroaériques, l'aspect. Donc, tu vois, dire par comparaison des images, les kaïnes, l'aspect, le premier ou le deuxième, chaque une demi-heure ou une heure du temps, naoudou aspect, on trouve la mobilisation les niveaux hydroaériques. Devant la non-reprise le transit après la mise en condition, la non-mobilisation des niveaux hydroaériques, maintenant, ça met quand on décidera l'intervention chirurgicale ou non. Plus, dire le TDM pour voir le diagnostic étiologique. Il y a par exemple occlusion sur tumeur, traitement chirurgical. Mais de, par exemple, gdem bride, par exemple, occlusion par bride, mise en condition devant la reprise du transit ou l'aspect de contrôle m'affiche les niveaux. Adeline, on intervient pas chirurgicalement. Parce qu'il y a des étiologies qu'on doit intervenir chirurgicalement. Donc, non, Hatine en condition, j'ai les bilans, les explorations radiologiques, les dernières, il y a une TDM. On décide d'intervenir et d'explorer chirurgicalement. Qui a l'abdomen ou chez le un épanchement péritonéal. Un épanchement péritonéal, ninja. Il y a un épanchement réactionnel à l'inflammation. Ok, il y a un épanchement. L'hygiène menace l'intestin, menace le côlon, qui fait aider. Ou normalement, le péritoine est vide. Ou que le péritoine est amarbelmali, ou a fait l'épanchement. Soit un épanchement réactionnel, qui est un foyer infectieux ou l'inflammation, un épanchement réactionnel. Soit par nécrose, t'as l'intestin ou t'as le côlon, nécrose aider qui permet le liquide, les mojoud à l'intérieur du côlon ou de l'intestin. Il sort le péritoine où il y a un épanchement. Un épanchement plus des lésions ischémiques du côlon. Il y a une ischémie du côlon. Donc, il y a une composante vasculaire derrière la ischémie, maintenant, il n'y a pas obstruction l'occlusion. Il n'y a pas strangulation. Madame, la composante vasculaire, mcherka, manata, c'est par strangulation, mais c'est par obstruction. Disons que, par exemple, c'est une occlusion par obstruction colique par une tumeur, c'est loin du mésentère, c'est loin du mésocôlon. Mais yani, la composante vasculaire, bida, بصح مادام قالنا ايسكيميك سي لا كومبوزونت فاسكولير سي هنا الكومبوزونت فاسكولير داخله معناها سي اون سترونغولاسيون دونك بارمي لي مانيش نشوف مليح برك ف Parmi, d'accord, les gestes suivants, mais c'est pas clair. Hein?
Parmi les gestes suivants, lesquels allez-vous réaliser? Docteur? ماهيش باينة حكي ما هيك شغل جاية لتحت لا كيستيون باسكو جايتني ليكرون شوية مقصوصة. لحظة. Donc parmi les gestes suivants, lesquels allez-vous réaliser? Le même problème. حكيم شوف رجع حكيمة كانت بصح تكون شوية كلار باسكو قبيلة نجرب كانت إذا كان شوية ما كانش نقوله لك، نقول لك لا كيستيون. خليها هكا وديرها شوية باسكو درك ان بو فلو أيوة نكبرها جوست شوية. برك لا برك D'accord. Donc, parmi les gestes suivants, lesquels allez-vous réaliser? واحد, une colectomie gauche avec colostomie. نبدو ساعة نهضروا مع بعضنا وكيفاش راح نديرو. احنا عندنا الجيناكولون جوش اسكيمي. اسكيمي وش معناها؟ معناها اسكيمي. من بعد شوية راح ندير نيكروز، من بعد شوية بيرفوراسيون، ومن بعد لا بيرفوراسيون راح يخرج اكيد هذاك اللي كاين الكونتوني اللي كاين في الكولون يخرج لنا في وسط البيريتوان ويدير لنا اون بيريتونيت تا 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 من بعد ديسي تاع الملاد. هذه واش هي ليفولوسيون سون انترفي سون انترفينير شيرجيكالمون. دونك نحنا كي حلينا اكسبلورينا لقينا ان ايبونشمون ولقينا ان كولون اسكيمي. واش معناتها؟ معناتها الي دوتو لا في تاع لو كولون اي دوتوز. معناها كون نخلوه اسكيمي قادر ايفولو فيغ لا نيكروز. دونك نحنا لا دوت لو دوت هذا واش نديرو؟ عندنا كولون اسكيمي احنا نكوبيو الطرف اسكيمي ما نريسكيوش انه يوصل النيكروز ويبرفوري ويديرنا بيريتونيت و اون كوليكتومي نحيو طرف الكولون اسكيمي سي اون كوليكتومي غوش باسكو نحيو الكولون غوش une colectomie totale qui n'a le colon total, une colectomie droite qui n'a le colon droit. Derna, une colectomie gauche. Est-ce qu'on dit l'anastomose ou on ne dit pas l'anastomose? Je veux dire, on a le colon gauche. D'accord? On a le colon gauche, on a le colon transverse, من فوق, et on a le sigmoïde من تحت. Est-ce qu'on laisse le colon transverse مع sigmoïde ou là on dit colostomie? Je veux dire, colostomie, نقفلو. نقفلو لو كولون من تحت اللي هو السيجمويد نخيطوه لو بو دافال نخيطوه ونخرجو لو بو دامون اللي هو نخرجو كولوستومي نخرجوه برا اون ستومي ونحبوش لي ماتيغ نديفيو لي ماتيغ على الاكستيريور والا كاريمون نديرو اناستومونس نلصقو لو كولون ترانسفير سيجمويد اناستومونس كولي لي اناستومونس ما نقدروش نديك لي اناستوموز اون زان ميليو سيبتيك علاه معناتها تخيط دير الاناستوموز تخيط الكو ابخي كيلكو جلو من بعضاهم ويخرجوا لي ماتيغ في لاب بيريتونيت بوست اوبيراتوار باغ لا شارج تاع الاناستوموز. دونك كي في اي انترفونسيون كاين شك باغ اكزومبل هنا عندنا لي بونشمون لو كولون ايسكيمي ريسكيوش ان سورتو يا جماعه في لي كول باغ اكزومبل لي مثل كوم كانسر اب سي دي وهذوك الحكايات اللي فيهم بوك كل انفيكسيون ولا مالاد اون بيغيتونيت كيما لي بوميل ما نقدروش نديرو لا parce que mis dans un deuxième temps dans les urgences d'ailleurs fait les urgences carrément on évitera les anastomoses. Donc on a une colectomie gauche avec colostomie et
نحو الكولون دوتو هذاك بون نقفلو لو بو دافال ب اون كوليكتومي توتال افيك اناستوموز نقولو انا عندي غير الكولون غوش مريض كامل الناس كيب توت ان كولون اون اكروزي اسكيمي بلوتو نو Une colostomie de proche amont sur baguette. Une colostomie de proche amont sur baguette. Colostomie de sur baguette, je m'en attends. Debout. Par exemple, je m'en sur baguette. Je dis que les deux bouts, on copie ou des cartes, on copie. On charge les deux bouts sur baguette. هذه شوية سي ديفيسيل على اكسبليكي لازمكم تشوفوها مي هنا مادام ما حطلناش لا كوليكتومي ما نكوشيوهاش لازم يقول لك لا كوليك لو جيست تاع لا كوليكتومي ومن بعد يقول لك لا كولوستومي حط لك لا كولوستومي وحدها معناها هنا ما بينلكش اسكو كوبا لو كولون غوش ولا نو دونك هنا انا بو مو ما تكوشيوهاش هذه دونك كوشيو لا كوليكتومي غوش افيك كولوستومي لا بلانش سويفانت حكيم سيل تو بلي D, l'anastomose entre le colon transverse et le haut rectum. Voilà l'anastomose, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, 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 parce que c'est le geste essentiel, c'est ce qu'on a dit. En plus, il dit entre le colon transverse et le haut rectum. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est pas clair la réponse. Anastomose, c'est déjà, on ne fait pas d'anastomose. Non. Donc, des noms. E, une iliostomie. Iliostomie, maintenant, on exclut tout le colon, on charge les lions en stomie. Vous voyez, avec l'iliostomie, les répercussions en post-opératoire, c'est très lourd. Iliostomie, parce que les mecs, les lions, tous en liquide. Ou l'iliostomie, le malade, il va perdre tous les éléments. Mais qu'est-ce qui mal... les éléments à doucler nos clous. Il va aller au colon, il va aller le trajet avec Kemel ou la réabsorption de l'eau, les éléments. Donc, il va avoir des matières très liquides en grande quantité. Ou le malade, il va avoir un amaigrissement kbir. L'iliostomie, il va vraiment avoir des indications. هنا عليه نديرو اليوستومي وحنا عندنا لو كولون دروا لو كولون ترانسفيرس بكل بيت عليه دونك اليوستومي نو دونك لا ريبونس جوست سي اون كوليكتومي غوش ولازم ساعه نشوفو لا فاسكولاريزاسيون ماشي نحيو ديريكتومون جماعه سي با فاسيل نشوفو لا فاسكولاريزاسيون ساعه فريمون كي تعود اسكيمي اسكيمي الكولون وما كانش خلاص احتمال انه قادرين نريكوبيريوه باه نديرو لا كوليكتومي Colectomie gauche, on exclut le transverse en stomie, on dirait une colostomie. On bat une intervention différée. Après quelques mois, on dirait la. Désolée, on dirait l'anastomose. Rétablissement de continuité. On dirait le rétablissement de la continuité digestive. Donc, Anna, pour moi, la réponse juste, c'est la colectomie gauche avec une colostomie. La question suivante, les suites opératoires ont été simples après année. Le patient revient pour une deuxième, pour un deuxième plutôt syndrome occlusif, cette fois-ci au. Malade qui jik pour un syndrome occlusif, l'interrogatoire qui est la question, est-ce que tu as déjà opéré ou là non? Qui a eu la parotomie ou non? Même l'inspection, l'examen clinique n'est pas de l'inspection, dis-moi, on recherche une cicatrice d'intervention. Allez, parce que même bien le syndrome occlusif, c'est le bride, occlusion sur bride. Donc, il y a abdomen opéré qui gique en syndrome occlusif, une chèque directement, fait une occlusion sur bride. Hedarja, une année, flé laparotomie.
ou même les laparoscopies. Par exemple, quand on est malade, par exemple, opéré pour une lithiase vésiculaire sous célioscopie. Il y a célioscopie aslan, d'ailleurs, ben, naqas les brides, le risque d'aller les brides ou le risque d'aller les occlusions sur brides. Mais, aïkaïna, mais je pas le risque est minime, certes, mais ça, naqadron, un syndrome occlusif, occlusion sur bride, post-célioscopie. Mais, naqadron, élevé, par exemple, sous célio, ou j'ai que malade syndrome occlusif sur bride à ne pas éliminer. Ça, c'est rare, mais à ne pas éliminer. Nkamlo. Gelna, quel diagnostic évoquez-vous? Un infarctus entéro-mésentérique. Bima enno, c'est une occlusion haute, ça. Bima enno, malade cardiopathe, à chaque fois, il y a un syndrome occlusif, à chaque fois, on goulou bli ray qadri kun un infarctus entéro-mésentérique. C'est même un éliminé ou un infarctus entéro-mésentérique. B, un IDM postéro-diaphragmatique. IDM. IDM, mais il y a un syndrome occlusif. IDM, quand j'ai la douleur, quand j'ai une douleur abdominale, des épigastralgies, ou un IDM postéro inférieur. Ça, au syndrome occlusif, non. Une pancréatite, qui m'a donné un pancréatite, un tableau clinique, une occlusion sur bride, qui m'a dit, c'est juste. Malade opéré, occlusion haute. Une occlusion sur bride. Une péritonite post-opératoire. Une péritonite post-opératoire, quand je te les suis, post-opératoire immédiate, à court terme, les mettre après l'intervention. Mais je bad une année, c'est une péritonite post-opératoire. Non. Donc, les réponses justes, c'est un infarctus entéro-mésentérique devant chaque malade cardiopathique, syndrome occlusif ou la douleur abdominale ou la hérédique. Infarctus entéro-mésentérique. À ne pas éliminer en angioscanne. Ou une occlusion sur bride parce qu'un abdomen opéré, j'ai une bad une année. Donc, Kradelskun, une occlusion sur bride. Donc, les réponses justes, A et D. Parmi les conduites suivantes, laquelle allez-vous proposer immédiatement à l'admission après avoir précisé aux explorations, l'intégrité vasculaire et des organes plats. Dertou les explorations terre comme dertou TDM terre comme le cahier hadouk, il dit intégrité vasculaire. Maintenant, mais quelle composante vasculaire? Parce que les qui dit qu'elle met intégrité vasculaire. Maintenant, oui, on interview. Chauffe, je m'arrête. Les syndromes occlusifs mise en condition. Le sang, gastrique, sang rectal ou la surveillance. Ça, une stène ou la reprise du transit. Mais quand on a une composante vasculaire, c'est l'extrême urgence. مش معنى عنا العروق سترونغويلي وحنا نخلو المالاد به نيكروز الانتستانت ما عندك وش راح يصير راح لا ريبريز دو ترانزيت نو عندك كومبوزونت فاسكولير ميز ان جو نو سي لورجانس هنا سي لانترفونسيون شيرجيكال اون اورجانس باسكو راح نيكروزي لك هذاك الانتستان ولا الكولون اللي تابع لا فاسكولاريزاسيون هذيك وراح ينكروزي وراح يبرفوري وراح يدير لك مالاد بيريتونيت و سيبسيس و تو فا بيرتور لو مالاد دونك كي يقول لك الانتيغريتي فاسكولير معناها ما كاينش بروبليم فاسكولير نقدروا نحطوا المالاد ميز اون كونديسيون ونستنوا لا ريبريز دو ترانزيت ما كاينش لا ريبريز دو ترانزيت و ليفولوسيون ماشي او توني ميديوكر ما كان اون انترفيان شيروجيكالمون باسكو بريد هادي كون حنا عندنا مالاد دار اوكلوزيون سور بريد نوبيري وهنا اون فا On va créer d'autres brides ou à chaque fois physique vicieux, physique plutôt vicieux, t'as les brides. Donc, sur bride, on dit au malade en condition, on chauffe la reprise du transit, il y aura le problème avec, on va libérer le malade. Mais la reprise du transit ou l'évolution, mais si on intervient chirurgicalement. Donc, opérer immédiatement par la laparotomie, non. Faire une cœlioscopie exploratrice, exploratrice, ou je vais explorer. Oui. Déjà, on a posé le diagnostic par la TDM, ou le guinée, c'est une occlusion sur bride. Allez, on fait une cœlioscopie exploratrice. Quand on a une cœlioscopie, c'est une cœlioscopie curatrice, ben, ou la bride, la section de la bride. C'est mise en condition et bilan biologique, oui. Tout le malade en condition, dire au bilan biologique, ben, je fais le retentissement.
تاع لوكلوزيون باسكو سي اون اوكلوزيون اوت، اوكلوزيون اوت عندها روتونتيسمون، نلقاو دي تروبل هيدرو ايريك بلوتو الكتروليتيك هيدرو الكتروليتيك اي تو. اذا لقينا المرض مليح ستابل بيولوجيكمون كلينيكمون حطو اون كونديسيون اون سيرفي دي ليبيري لو باسيون افيك اكسبكتاتيف ا دوميسيل. نو نقدرش نليبيرو مالاد دون سيندروم اوكلوزيف. Un lavement évacuateur, on ne va rien évacuer parce que c'est une occlusion haute. Donc, la réponse juste, c'est la mise en condition et le bilan biologique. كما كان ما فهمتوش اي كيستيون ولا حاجه حطوا لي في لي كومونتير برك جو في ريبوندر. باسون او دوزيام كا كلينيك، اون باسيونت اجي دو 47 ans كونسولت او بافيون دي اورجونس شيروجيكال بور دولور ابدومينال ديفوز ايفولوون دوبوي 10 جور، عندها 10 ايام بلا دولور وعيت دولور ابدومينال ديفوز ماهيش لوكاليزي في ان كادرون prédominante au niveau de la fosse iliaque droite. On a la prédominance de la fosse iliaque droite. La fosse iliaque droite, ou je suis la fosse iliaque droite, chez une femme, les annexes, la contorsion annexielle, la ovaire, ou la trompe, ou la... On a 47 ans plus ou moins. Quand on a une femme jeune, en âge de procréation, vraiment, on a une grossesse extra-utérine. Adouma la fosse iliaque droite chez la femme, il me cherche l'appendice, je mets un chamoufier, l'appareil génital. Prédominante au niveau de la fosse iliaque droite, avec vomissement alimentaire. D'ailleurs, 10 jours, je ne peux pas chamoufier torsion plutôt torsion ovarienne ou la grossesse extra-utérine, parce que 10 jours, c'est trop. Avec vomissement alimentaire et des troubles du transit, un type de constipation. Donc, on a trois éléments, l'ihoma, douleur abdominale diffuse prédominante au niveau de la fosse iliaque droite, des vomissements alimentaires et un trouble du transit type constipation. Dans ces antécédents, on note la notion de lombalgie d'allure inflammatoire. On a des lombalgies d'allure inflammatoire, arthrose ou là n'importe, des lombalgies d'allure inflammatoire. La patiente a consulté auparavant plusieurs fois où un traitement pour colopathie fonctionnelle a été prescrit. Donc, durant les 10 jours, la douleur, la patiente a consulté à plusieurs reprises, ou à chaque fois, un traitement pour la colopathie fonctionnelle. Donc, je pense qu'elle a consulté, il y a une évolution à bas bruit. Pendant les 10 jours, il y a une évolution à bas bruit, parce que la malade été mise sous traitement d'une colopathie fonctionnelle. Maintenant, 10 ème évolution. Ta douleur de la fosse iliaque droite, fi 10 ème, maintenant, il y a une chose qui est utilisée. Chose, maintenant, évolution à bas bruit. Donc, l'examen clinique retrouve une patiente consciente, en bon état général, stable, tension à 14,8, la fréquence cardiaque à 95 et la température à 38,7. La température à 38,7 ou un douleur flaffe ciliaque droite. Douleur flaffe ciliaque droite, mais un syndrome fibrile. Donc, c'est un syndrome fibrile et douloureux de la flaffe ciliaque droite. Cadre de appendicite, évolution de 10 jours, cadre de un plastron appendiculaire, qui m'a cadre de heja, le colon droit, le sécom. Parce que le sécom, j'y suis à la flaffe ciliaque droite. Ou des intrusions infectées, abcès ou la tumeur infectée, parce qu'on a un syndrome infectieux et on a une fièvre. Donc, la palpation abdominale retrouve une masse dure, mal limitée, sensible. Est-ce les caractéristiques? Mais les caractéristiques de la masse. C'est une masse dure, mal limitée. Ce qui m'a limité, maintenant, on ne peut pas circonscrire la masse sensible. Maintenant, c'est très douloureuse ou sensible.
فيكس معناها ماهيش موبيل بارابور او بلون سوبرفيسيال و بارابور او بلون بروفون. بروفوند معناها في لا بالباسيون بروفوند بهنا نلقاو لا ماس هادي. قصدو بروفوند معناها ماهيش ماس باريتال. كي يقول لك سوبرفيسيال سي اون ماس باريتال، سما لا باغوا بعد كي تقيس في لا باغوا برك تمس لا ماس هذيك، بصح كي يقول لك بروفوند معناها على بالباسيون بروفوند باه تقدر تقيس لا ماس هذه. او نيفو دو لا فوس الياك دروات. شويه من طرف حكيم مش باينت لي الكلمه، كونتاكت لومبير قبلها الكلمه برك. وي دكتور، هي ماشي باينة، ما كيفاش؟ عنديش لا فوتو كومبليت، اه اوكي بعتوها تسمى ليكي ما تك. كان هي بعد داكوغ اوكي. دركا لازمنا نعرفو سون كونتاكت لامبير ولا افيك كونتاكت لامبير. ابارامون سي سون كونتاكت لامبير ريمونتون سون كونتاكت لامبير. واش معناتها لو كونتاكت لامبير؟ معناها في ليكزامان كلينيك نديرو لو كونتاكت لامبير. شوفو في اليوتيوب دوك تعرفو كيفاه اون اكزامين ونديرو لو كونتاكت لامبير. كيقول لك سون كونتاكت لامبير معناها لي لوج رينال لي را ما همش داخلين في الحكايه. كون يقول لك افيك كونتاكت لامبير هذا اكزامان باه نشوفوا لي را اسكو لا دولور هادي رينال او نو. كي ما كانش لو كونتاكت لامبير معناها ماهيش رينال. كي كاين لو كونتاكت لامبير معناها لو بروبليم اي رينال. دونك سان كونتاكت لامبير معناها لي را ما همش داخلين في الحكايه. او نيفو دو فلون دروا طالعه حتى لو فلون mesurant 11 cm de grand axe, le reste de l'examen clinique est sans particularité de même que le toucher rectal. Le toucher rectal est normal. On a une masse profonde au niveau de la fosse iliaque droite, mesurant environ 11 cm de grand axe, remontant jusqu'au niveau du flanc, mais le contact lombaire est absent. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? A, c'est une tumeur pariétale. Non, mais c'est une tumeur pariétale parce que c'est déjà, c'est une masse profonde. Donc, la masse superficielle, c'est une tumeur pariétale, oui. Mais ça, profonde, mais c'est une tumeur pariétale. Tumeur pariétale, c'est à la palpation profonde. Donc, A, à éliminer. 2, plastron appendiculaire. Oui, le plastron appendiculaire. C'est une masse au niveau de la fosse iliaque droite. Ça peut être un plastron appendiculaire. Le plastron, c'est une forme d'appendicite aigu. Mais ça, la différence entre appendicite ou plastron appendiculaire, que le plastron appendiculaire est une forme qui évolue localement. Yani, une appendicite avec une agglutination des anses, ici où les anses ils clament autour de l'appendice, autour du foyer infectieux, avec une suppuration de l'appendice. Donc, c'est une forme d'appendicite aiguë qui évolue localement en étant suppurée et gangrénée. Donc, on a l'appendice. Donc, elle dit à la femme, on a 10 jours où il y a de la douleur. Donc, ça va être une évolution de l'appendice. Appendicite, puis l'appendice est suppuré. On va gangréner, on va mettre gangréna. Il tombe l'appendice. Une réaction locale, où il y a les anses grêles, l'intestin, où il y a une agglutination autour du foyer infectieux. Il te l'a moulé. Pourquoi? Pour se colmater, il y a cloulna avec l'appendice. Ou donc, donc les viscères voisins, les intestins, j'ai eu dire une agglutination pour colmater un appendice supéré, gangréné, voire perforé. Hadia, la traduction d'al plastron cliniquement, nelgeu une tuméfaction dure, où le plastron aide beaucoup l'allergie pour limiter l'infection par le cloisonnement à la région sécale, par agglutination des anses grêles. Donc, ça a une agglutination des anses. Pour cloisonner la région sécale, yqflou alih. Chghol li remont la région sécale, yqflou al sécam, pour ne pas pour hadik pour que l'infection hadik ma tkounch diffusée, ma diffuse l'abdomen, tout le péritoine, nous dit une péritonite. Ils ont hadouk les anses, ils te colmatéo, ils t'agglutinéo,
ويدوروا على لا ريجيون سيكال، يديروا ان كلوزونمون دو لا ريجيون سيكال بور ليميتي لانفيكسيون. هذه واش معناتها ان بلاسترون ابنديكولار؟ وفي كلينيكمون كيف هنا لقوا لو بلاسترون ابنديكولار كلينيكمون تبدا لك ساعه اون ابنديسيت كريز ابنديكولار دولوروز كيما مالفين ان تابلو كلينيك تاع اون ابنديسيت ايغو مع ليفولوسيون كيما هنا 10 جور 10 جور سا سو فوا كو سي ان بلاسترون. لي سيني كلينيك بوف ديمينوي او بو دو كلك جور بصح ne jamais réellement disparaître ينقصوا فري par rapport à la crise douloureuse de l'appendicite, l'oula, ça ne jamais réellement disparaître. Un plastron appendiculaire. Donc, le cas clinique, c'est beaucoup plus un plastron appendiculaire. Donc, B, c'est juste. Un abcès appendiculaire, oui, nous pouvons que c'est un abcès appendiculaire parce que l'abcès ténis, c'est une masse au niveau de la fosse iliaque droite, on a un syndrome douloureux et fébrile de la fosse iliaque droite. Donc, on peut cocher même l'abcès appendiculaire. La différence entre l'appendicite abcédé ou abcès appendiculaire, que l'appendicite abcédé, il y a l'appendice anormal qui ne حلو, مش normal, malade. Quand je dis l'appendice qui ne حلو l'appendice, نشقوه, نلقو des micro-abcès la paroi appendiculaire. Ou l'abcès appendiculaire, non. L'abcès, un appendice, ou faut que nous un abcès, collection, une longette, faire le peu. Dit la différence entre abcès appendiculaire ou une appendicite abcédé. Quand on a un appendicite abcédé, le cas clinique est dans la masse, non. Ça, abcès appendiculaire, oui. Qui a la masse, c'est l'abcès. Tumeur du sécom infecté, oui. Qui m'a dit comme gubile, un fossiliaque droite. Ou comme tu as le flanc droit. Ou une masse profonde ou dure. Adrat kun tumeur du sécom ou infecté parce qu'on a un syndrome infectieux qui se manifeste par une fièvre. Donc, on peut cocher même une tumeur de sécom infectée. Tumeur du rein droit, m'gèle comme ça en contact lombaire, aïe, j'ai fait un rein à éliminer. Donc, quel diagnostic évoquez-vous? Plastron appendiculaire, abcès appendiculaire et une tumeur du sécom infectée. Parmi les examens morphologiques avisés diagnostiques, quels sont ceux que vous réalisez dans le cadre de l'urgence? En urgence, j'ai comme le tableau clinique, tu as soi-disant plastron appendiculaire ou l'abcès appendiculaire ou l'examen de première intention, les dirou. Radiographie de l'abdomen sans préparation? Non. Fui l'appendicite, je mets les tableaux cliniques, tu as fosse iliaque droite, mais on a même dirou ASP. L'ASP ou que tu syndrome occlusif coché ou l'ASP, oui. Qui m'a dit comme certes, il est abandonné dans les pays qui se respectent. Qu'adr se m'a coché ou chou m'a bad m'a coché ou l'ASP. Bah ça, m'en dirouf carrément, n'a carrément ou ralt la fossiliaque droite. Douleur fossiliaque droite ou. Non, l'ASP, non, non, non. B, échographie abdominale, oui. Échographie. Devant toute douleur de la fosse iliaque droite, ma défense ou la masse, ou la, dire une échographie. Contrôle appendicite ou la abcès, même plastron, on va faire une échographie. Et quand il y a une agglutination des intestins, les anses intestinales, ou là, il y a un abcès appendiculaire, ou là, il y a carrément une appendicite, oui. L'échographie, c'est l'examen de choix. Une coloscopie avec biopsie, non. Coloscopie avec biopsie, c'est dit les tumeurs. Mais aslan, la coloscopie, ma hoche examen d'urgence. Aslan, yani, bla hedi ou hedi, ma hoche examen d'urgence. TDM, abdominal avec injection de produits de contraste. Oui, TDM, surtout fait le plastron, TDM. بين قد البلاسترون هذا قديه لي سور تاعو لي تاع الابنديس التي دي ام يمد لنا اون ايماج قد تاع البلاسترون ابنديكولار ولا سوا ديزون اي بور ترانشي انتر ان بلاسترون ولا اون تومور دو سوا يبين لنا قد بصح دو بروميي شوا سي ليكوغرافي بروميير انتونسيون.
لافمون باغيتي ما عنده حتى علاقة. احنا لافمون باغيتي سي لانجيكسيون من لانوس تاع البرودوي كونتراست، نو ما عنده حتى معنى. هنا فوسيلياك دوات سي ليكوغرافي فوار تي دي ام، حطوها في روسكم ديما، دولور فوسيلياك دوات سي ليكوغرافي فوار تي دي ام. دونك لي ريبونس جوست سي ليكوغرافي اي لا تي دي ام. هادي ما تبانش كاريمون، نديرو بالنص. Donc, selon le bilan morphologique, Hakima, il met bench la partie elle est à droite. Quelle partie, docteur? Je vous l'énonce, c'est mouche bien beaucoup. Le tahbis li fait selon le bilan morphologique que maintenant je vais le deuxième ligne. D'accord, je chauffe là. Parce que net ben dit normal. هكا واش يبان لك دكتور؟ فلو، سي فلو. سي فلو. دو مينوت دكتور، نصورها داكو. بلاصة أخرى ونعاود بارطاجيها. اوكي. سينو تقدر تقرا لي نونسي برك انت حكيم اذا يعني بين لك. مي طويل شوية، ممكن يعني باش نديتايو فيه بالوحدة وتبقى تبان للناس كامل أحسن. عندك اوكي. دو مينوت.
Que ça va? Oui, très bien. Selon le bilan morphologique que vous avez choisi dans la question précédente, on retrouve une agglutination dense intestinale inflammatoire et d'épiploïon autour d'un appendice à paroi épaissie, avec présence d'une collection de 3 cm de grands axes perilésionnels et indiscret épanchement au niveau de la fosse iliaque droite, associé à une distension des anses du grêle, sans image d'obstacle visible. Le bilan biologique montre des globules blancs à 23 000 et la CRP à 200. Le bilan rénal est normal. Détaillez ou l'énoncé. Selon le bilan morphologique que vous avez choisi, d'une échographie, voire TDM, Bentelna, une agglutination dense intestinale inflammatoire et d'épiploïon. Qui m'a fait un petit c'est un plastron. Elle dit c'est la définition d'un plastron appendiculaire. Autour d'un appendice à paroi épaissie. Donc, c'est déjà un appendicite. À paroi épaissie, c'est le diagnostic d'une appendicite. À paroi épaissie supérieure à 3 mm, c'est une appendicite échographiquement. Donc, avec présence d'une collection de 3 cm de grands axes perilésionnels. Sinon, le plastron qui a un abcès de 3 cm de grands axes, c'est-à-dire la collection perilésionnelle est indiscret, épanchement au niveau de la fosse iliaque droite, qui a un épanchement. D'ailleurs, même sur l'appendicite normal, mais sur la plastron, épanchement, sur le rhésus de la fosse iliaque droite, ou même le Douglas, donc l'épanchement normal. Associé à une distension des anses grêles, la distension radicale les anses autour de l'appendice, sans obstacle écho-décelable. Maintenant, il y a un obstacle qui donne la distension, parce que quand qu'on a une description échographique, une distension, un obstacle, c'est une occlusion. Ça, là, la distension réactionnelle, l'iléus réflexe, si ça m'ouvre, l'iléus réflexe, un iléus, maintenant, comment dirais-je, une distension, tu as les intestins, parce qu'on a un arrêt, tu as le transit, tu as le péristaltisme intestinal réactionnel, le foyer infectieux, et où est l'appendicite. Le bilan biologique montre des globules blancs à 23 000, une hyperleucocytose et CRP positif à 3 chiffres, 200 mg par litre. Le bilan rénal est normal. Hadab est confirmé, oubli, ce n'est pas un problème rénal. Donc, la question. Est-il clair?
سلام. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا باردون، بك. عندي بروبليم في التليفون ابارامون. نعم الشهدي. لا نكملوا لا راح ما دernière يسمع question normalement في الحمد. deuxième cas clinique. وي Donc, au vu de ces résultats, Hakim, d'accord. Au vu de ces résultats, quelle est votre conduite à tenir? Goulna, andna, confirmation radiologique du plastron avec une collection périlésionnelle. Quelle est la conduite à tenir? La conduite à tenir dans le plastron, c'est l'antibiothérapie. En première intention, c'est l'antibiothérapie à base de céphalcètes et de flagyl. C'est l'hospitalisation dans le malade. On fait une antibiothérapie par voie IV. On fait une appendicectomie différée. Je m'en ai différée, mais chiffre la même hospitalisation. Non. Dirouha différé après 2 mois. Après 2 mois, dirou une appendicectomie. Mais je fais la même hospitalisation. Donc, au vu de ces résultats, quelle est votre conduite à tenir? A, l'hospitalisation et l'antibiothérapie plus appendicectomie en urgence. Non. Hospitalisation juste. Antibiothérapie, oui, mais ça, appendicectomie différée. Après 2 mois. Au moins 2 mois. En urgence, non. Parce que qui traite l'entoma, comme elle est tout bête, l'appendicectomie. Mais si on a fait l'appendice, c'est l'agglutination inflammatoire infectieuse dans les anciens. Donc, même si on a fait carrément l'appendice. Donc, hospitalisation plus antibiothérapie, appendicectomie 48 heures après. Non, parce que 48 heures, mais il y a délai là suffisant, ben, trop l'agglutination des anciens. C'est hospitalisation et antibiothérapie et appendicectomie 10 jours après. Non. Hospitalisation, antibiothérapie, appendicectomie après 2 mois, oui. Hospitalisation plus antibiothérapie et drainage éco-guidé de la collection périlésionnelle. Non, ça indique l'antibiothérapie, le plastron, cadre même l'abcès, il va maquiller. Il a prêté la persistance de la collection, dire un drainage éco-guidé. Donc, la réponse, c'est l'hospitalisation, l'antibiothérapie et l'appendicectomie après 2 mois. Parce que maintenant, nous pouvons dire le drainage éco-guidé avec l'agglutination des anses. On risque de perforer une anse. Mais quand on a l'agglutination des anses, nous pouvons dire le drainage éco-guidé. Imaginez, on dit ponction, ponctionner une anse. Mais si on dit perforation, t'as l'anse fait l'abdomen, tu as une péritonite. Donc, selon le bilan morphologique. Ah non, c'est bon, elle dit. Une question, le chirurgien de garde a hospitalisé le malade. Quelle est la question, Hakim? لحظة دكتور، كيف؟ أي خبر؟ اوكي.
دونك نسيت ما صورتهاش. اسكو هكا واضحة ولا لا؟ هي هذه. Le chirurgien de garde a hospitalisé la malade et au troisième jour de son hospitalisation, on note une accentuation de la douleur abdominale avec une hyperthermie à 39,8 degrés. La palpation abdominale retrouve une masse mal limitée au niveau de la fosse iliaque droite fluctuante, remontant au niveau du flanc droit de 12 cm de grand axe. Le reste de l'examen est sans particularité. La biologie montre des globules blancs à 25 000, la CRP à 650. L'écho de contrôle révèle une augmentation de la collection à 10 cm. Devant ce tableau, il s'agit-il probablement de cocher la bonne réponse. A-t-il un malade sous antibiothérapie? Malgré l'antibiothérapie, Anna a une augmentation de l'abcès, mais n'est 3 cm ou de 10 cm. Elle dit que la masse ligadipalpifère a une masse fluctuante. C'est l'abcès. Donc, un abcès de 10 cm, l'échographie, un abcès de 10 cm, accentuation dans le tableau clinique, il y a accentuation de la douleur ou de la fièvre, augmentation dans les blancs de 23 000 à 25 000, ou la CRP mène 200 à 650 mg par litre, donc c'est une accentuation du syndrome douloureux infectieux. On a l'abcès de 10 cm, on a 10 cm, on peut dire une ponction éco-guidée. Soit on dit une ponction éco-guidée, ou on dit un vidange chirurgical. Il y a disponible la ponction éco-guidée. Il vaut mieux dire une ponction éco-guidée, une ponctionnée à travers. Trois quarts, on dit une ponction, c'est le radiologue qui fait ça. Dire une ponction à l'abcès. On va le drap, on va le drap. On va le drainage à l'abcès, le vidange à l'abcès. Puis on dit l'appendicectomie différée après l'antibiothérapie. Sinon, dirou, il y a disponible le drainage éco-guidé ou la scano-guidé, dirou, drainage chirurgical. On chouvou, il a qu'dernan dirou l'appendicectomie. Dirou l'appendicectomie. Il a qu'dernèche, dirou vidange, dirou drainage, plutôt drainage ta l'abcès ou le khurjou. Naqflou, on dirou une appendicectomie différée. Donc, il s'agit probablement d'un A. Abcès appendiculaire nécessitant un drainage radiologique et appendicectomie le lendemain. Abcès appendiculaire nécessitant un drainage radiologique, oui. Appendicectomie le lendemain, non. Abcès appendiculaire nécessitant un drainage chirurgical et appendicectomie 48 heures après. Héditer le lendemain ou 48 heures après. Kul ma ande hatta ma'na. Ya imma ndirou radiologiquement ba'd qui m'a a le phénomène inflammatoire infectieux, ndirou une appendicectomie plus probablement hakadji après 2 mois. Sinon, dirou un drainage chirurgical ou un choufou, il a qu'dan dirou appendicectomie ou là non. Donc, abcès appendiculaire pouvant nécessiter un drainage radiologique et appendicectomie à distance ou drainage chirurgical avec ou sans appendicectomie, il y a des réponses justes. Péritonite appendiculaire en 3 temps nécessitant une chirurgie d'urgence. La péritonite, l'abcès ou la péritonite en 3 temps. La péritonite en 3 temps,
C'est une appendicite d'abdomen, puis une perforation, lesquelles t'as une péritonite. بعد ما ولات بيريتونيت باسكو كولماتي لانفيكسيون هذيك البرفوراسيون كولماتي دينا سورت دو اون بيريتونيت لوكاليزي سوا بار ابسي و ابسي روبتور ان ترويزيام طون دينا اون ابندي اون بيريتونيت جينيراليزي ولا بلاسترون بعد البلاسترون جينيراليزي تولينا اون بيريتونيت ان تروا طون صح هادي سي با لو كا C'est un abcès bien limité, mais c'est une péritonite. Péritonite, c'est diffusion de l'abcès ou la évolution du plastron qui se généralise pour tout le péritoine. C'est une évolution favorable, non du tout. Il y a une accentuation, tu as le syndrome infectieux cliniquement et biologiquement. Donc, la réponse juste, c'est un drainage éco-guidé. Avec appendicectomie différée ou bien drainage chirurgical avec ou sans appendicectomie. La patiente a été traitée à la deuxième semaine de son hospitalisation. Une TDM abdominale effectuée retrouve l'absence de collection intra-abdominale, appendice non visualisé, épaississement mésentérique avec de nombreuses adénopathies. Donc, la collection, l'appendice, même l'appendice est non visualisé. L'appendice, donc, l'antibiothérapie est efficace. Que proposez-vous? Cochez la bonne réponse. Une appendicectomie avant la sortie de la malade? Non. Qui va différer. TDM abdominal plus lavement parité? Ça n'a aucun sens. Déjà, au TDM, je gèle. Un TDM déjà effectué. La sortie, la surveillance clinique et radiologique pendant un an et abstention en cas de bonne évolution, non. Une fois d'altena appendicite, c'est-à-dire d'altena un plastron, les mais évolution ou abstention en cas de bonne évolution, non. La sortie, la surveillance clinique et radiologique, puis appendicectomie aux 2 mois, oui. Au 2e mois, oui, c'est juste. Dire surveillance clinique ou biologique ou radiologique. Hâte, il faut tous les 2 mois, on dit l'appendicectomie. On touche un appendice avec un appendice malade. Il reste un appendice malade ou risque de récidive de l'appendicite. La TDM abdominale plus coloscopie plutôt, coloscopie 2 mois après la sortie. On a dit la coloscopie. Rigoute comme la coloscopie, ben choufou. C'est beaucoup plus en cas des tumeurs ou des maladies inflammatoires chroniques. Ou là, ben, chouf, le côlon, il y a un peu l'appendice ou l'appendicite ou le plastron. Donc, la bonne réponse, c'est la sortie, la surveillance clinique radiologique pendant et appendicectomie plutôt après 2 mois. Au 2e mois, on fait l'appendicectomie. Troisième cas clinique, une jeune femme de 23 ans, femme en âge de procréation, notée, consulte aux urgences chirurgicales pour douleur suspubienne, yani hypogastrique, c'est l'appareil génital jusqu'à preuve du contraire, la zemna un avis de gynéco ça, évoluant depuis 24 heures, donc c'est aigu, avec une dysurie et polakiurie. On a des signes urinaires. Donc, on a un problème avec l'hypogastre, grippe la vessie, qui a inflammation dans le pelvis, l'essentiel qui a la dysurie et la polakiurie. Donc, on a la dysurie et la polakiurie, les abcès à Douglas, les appendicites de position pelvienne, les infections génitale, donc beaucoup les disent la dysurie, la polakiurie dans un contexte de douleur abdominale hypogastrique. L'examen clinique retrouve une patiente fébrile, donc un syndrome infectieux, douloureux et infectieux. Fébrile à 38,5 avec douleur et défense suspubienne. On a douleur et défense, hein. Défense, on a un foyer infectieux intra-abdominal. Le péritoine se défend. Le toucher rectal est douloureux. Le toucher rectal est douloureux. Il y a beaucoup de confirmations qu'il y a un problème dans le pelvis. Le cul-de-sac de Douglas. C'est pour ça qu'il est douloureux. Infection aux alentours, la région pelvienne.
soit un appendice pelvien ou il a un problème infectieux pelvien, l'appareil génital, il y a salpingite ou la kyste abcès de l'ovaire. Il y a des problèmes infectieux de l'appareil génital. La fosse iliaque droite est souple et indolore. Donc, fosse iliaque droite est libre. Maintenant, appendicite latérocécale ou la rétrocécale. Parce que l'appendicite, mais la fosse iliaque droite libre, maintenant, appendicite. Non. L'appendicite est selon la forme topographique de l'appendice. On a l'appendice sous-hépatique, il y a beaucoup plus de douleur et défense de l'hypocondre droit. On a l'appendice mésocéliaque, l'hygiène, la douleur en péri-ombilical beaucoup plus avec un arrêt des matières et des gaz réactionnels. Donc, c'est un tableau d'occlusion fébrile. C'est beaucoup plus chez les sujets âgés. On a l'appendice latérocécal interne, ou le tableau classique de l'appendicite, ou bien latérocécal, ou bien rétrocécal. Beaucoup plus, il y a des douleurs lombaires simulant une douleur rénale. Ou on a l'appendice en position pelvienne. J'ai rappelé, il y a un syndrome douloureux de l'hypogastre avec polakyurie et dysurie. Simulant un tableau urinaire, d'infection urinaire, diagnostic différentiel avec une infection urine. Donc, on a pour le moment fosse iliaque droite souple et indolore. Donc, manège appendicite latéraux ou rétrocécale. Plus latérocécale, yani la forme classique, mais les urines sont claires. Les urines sont claires, une infection urinaire. Quel diagnostic évoquez-vous? Quel diagnostic évoquez-vous? Une grossesse extra-utérine rompue. Une grossesse extra-utérine rompue, Ejmea, un tableau clinique, hémopéritoine, malade instable parce qu'il y a une hémorragie cataclysmique, une grossesse extra-utérine rompue. Gardez. Et alors, ce qu'on dit, c'est hémopéritoine, chute de la tension, tachycardie, un tableau d'instabilité hémodynamique, un abdomen sensible et penchement intrapéritonéal. C'est un syndrome fébrile, c'est un syndrome infectieux, donc à écarter. B, une salpingite, oui. Une douleur pelvienne avec un syndrome infectieux. Ou alors, mais une salpingite, il y a une infection à la trompe. Une salpingite. Mais il y a une femme en âge de procréation. Une salpingite. C'est une appendicite rétrocécale. Non. Appendicite rétrocécale, c'est beaucoup plus un tableau de douleurs lombaires simulant des douleurs rénales. Mais c'est le cas de douleurs hypogastriques. Non. Une rupture d'un follicule ovarien droit, syndrome de 14e jour. Syndrome de 14e jour, mais il met de bon, il met un fibricule, mais il fièvre, ah ouais, hein, parce que l'ovulation, il met un fibricule. Mais il met fièvre, mais il met de défense. Tout comme ça, douleur, beaucoup plus à l'annexe, il y a beaucoup plus fosse iliaque droite ou la gauche, selon l'ovaire fonctionnel, le mois avec. Mais il met un syndrome, un tableau HK. Donc, à écarter, une sigmoïdite diverticulaire. Une sigmoïdite diverticulaire, plus ou moins. Ça, là, je dis non. Une sigmoïdite diverticulaire. Je m'arrête à une sigmoïdite d'ailleurs diverticulaire. M'arrête à le sigmoïde, une infection, ta diverticule, flocon sigmoïde. Beaucoup plus dit une douleur. Il y a certes, c'est une douleur hypogastrique beaucoup plus à gauche. Le tableau aide, mais il compte beaucoup plus un sujet âgé, mais une femme en âge de procréation. Mais le toucher rectal, généralement, il compte douloureux, donc à écarter.
انا جو دي كو لو دياغنوستيك لو بلو بروبابل سي اون سال بانجيت كون حط لنا ابانديسيت بلفيان نكوسيوها مي ابانديسيت غاتروسيكا نو اون باس Il y a une question, comment on peut faire la différence entre un plastron appendiculaire et un abcès appendiculaire? Le plastron, c'est une agglutination dans les anses, les intestins, donc, ou autres organes, généralement, ils ont les intestins. Les intestins grêles, ils tlemmo ou ils dorou à l'appendice, pour colmater l'infection. Behmetwellish péritonite, c'est une réaction dans l'abdomen, ils tlemmo les anses, ils dorou. تلقاو هكا اصلا لي زونس هكا ملمومين ودايرين على لابانديس بور كولماتي لانفيكسيون ولابسي ابانديكولير سي اون كوليكسيون سي اون بيرفوراسيون تاع لابانديس وخرج لو بو هذاك وتلم كوليكتا ودارنا اون كوليكسيون نقدروا نلقوهم اسوسيي كيما كبير بلاسترون معاه ابسي لاصق فيه وقادر نلقو كل وحده وحدها بصح ماهمش كيف كيف لو بلاسترون Le plastron, ouais, donc le plastron m'affiche un abcès. Ou ouais, l'agglutination, tu as les anses pour colmater l'appendice. Mais l'abcès, il y a collection, perforer l'appendice, ou non, on a une collection, une logette de pus, m'a à l'appendice, l'asqaf l'appendice. Et c'est quoi la différence entre ileus paralytique et un ileus réflexe? C'est la même chose. Un ileus réflexe ou un afsu ileus paralytique, c'est la même chose. C'est une réaction, c'est une occlusion intestinale fonctionnelle, réactionnelle, un foyer infectieux intra-abdominal. Camelot, deuxième question. Vous n'avez plus probablement. C'est une salpingite. Passons au deuxième, à la deuxième question. Quels sont les examens complémentaires à demander chez cette patiente? Échographie abdomino-pelvienne, oui, plus, plus, plus. Aya tableau pelvien ou la fosse iliaque droite, nhaoussou ala l'échographie. D'ailleurs, aslan lazim nan elimino une urgence gynécologique, ben naqdrou ngoulou anna une urgence chirurgicale viscérale ou non. Ou kim ala balkom, une urgence gynécologique ben elimino ou hab l'échographie. Donc l'échographie. Docteur. صوت اتقطع دكتور.
معايا؟ Oui, docteur, je m'en D'accord. Quels sont les examens complémentaires à demander dans, chez cette patiente? Une échographie qui m'a gouné et IRM pelvien, ce n'est pas un examen d'urgence, mais de urgence. Numérotation et formule sanguine, oui. Ben, hyperleucocytose ou ça va nous orienter vers un ben, confirmer le syndrome infectieux, plus vérifier l'état hémodynamique de la patiente, l'hématocrite et l'hémoglobine. Angioscan, non. Angioscan, il y a un problème vasculaire. Un problème vasculaire plus un sujet jeune. Non, quand j'ai sujet âgé sous syndrome ou sous-anticoagulant cardiopathe, qu'est-ce qui m'a gouné, oui, mais non, non. Dosage de bêta-HCG plasmatique. Où est le tableau? Chouf, où est le tableau clinique? Mais on va vraiment vers une grossesse extra-utérine. Mais Anna, je vois que toute femme en âge de procréation avec douleur pelvienne, lesme une bêta-HCG, ben, est-ce qu'elle est gestante ou non? Qadri kochiha, qadri ma kochihesh. Ouais, mais Anna, je vois que lesme mon dosage de bêta-HCG. Surtout, normalement, en âge de procréation, il y a le tableau clinique, mais c'est la grossesse extra-utérine parce qu'il y a un syndrome douloureux et infectieux. Parce qu'un syndrome douloureux et infectieux n'a aucune relation avec une grossesse, il a le droit. Mais nous, dans la vie courante, il y a un bêta-HCG pour confirmer la grossesse de la femme ou la non. قادرين نوصلوا للتي دي ام قادرين دي بيلون راديولوجيك ما نقدرش نديرهم شي اون فام انسيت مي جينيرالمون هنا في لو تابلو كلينيك سا نا ريان افوار افيك اون غروسيس نورمال انترا اوتيرين ولا اكسترا اوتيرين دونك ا سي بلوس او موان او باسون او تروازيام كيستيون Oui, docteur.
Désolé, désolé. Bon, on camelo rapidement, bah, mais dites-y après, ça a un problème de connexion. Le diagnostic d'une appendicite aiguë non compliquée a été retenu. Quels sont les arguments spécifiques en faveur de diagnostic? Donc, dans la échographie, l'INA, c'est une appendicite aiguë. Oui, vu la clinique, je me comme c'est une appendicite pelvienne. Il y a un tableau pour la chirurgie ou 10 urées, ou un tableau similaire à un tableau d'infection urinaire. Donc, rapidement, quels sont les arguments spécifiques en faveur? Hyperleucocytose à 16 000. Oui, certes, hyperleucocytose à 16 000, c'est en faveur d'une infection quelconque, mais rôle spécifique de l'appendicite aiguë. Donc, Wagan, quels sont les arguments spécifiques? Spécifiques. Donc, Nelga ou ça, hyperleucocytose, ou c'est un argument de plus? Ça, spécifique de l'appendicite aiguë. B, un épaississement de la paroi appendiculaire supérieure à 3 mm. Oui, d'ailleurs, le diagnostic, c'est radiologique, c'est un épaississement supérieur à 3 mm. Donc, c'est en faveur. C, aspect encocarde à la coupe. Oui, des signes échographiques d'une appendicite aiguë. Épaississement de la paroi appendiculaire supérieure à 3 mm. Ou aspect encocarde à la coupe plus un diamètre supérieur à 7. Fine lame liquidienne dans le Douglas, oui, kayen, l'appendicite, mais mahouche spécifique de l'appendicite. Nakdoun el gouf s'appendicite, nakdoun el gouf l'occlusion, l'épanchement, c'est réactionnel, nakdoun el gouf partout, donc c'est pas spécifique. Diamètre de l'appendice supérieur à 3 mm. Non, d'ailleurs, le diamètre normal, on mahouche 3 mm. Diamètre supérieur à 7, épaississement supérieur à 3 mm. Donc, on passe aux quatrième questions, à la quatrième question. La patiente a subi une appendicectomie par voie chirurgicale, incision de McBurney. L'examen anatomopathologique de la pièce opératoire met en évidence des plages de nécrose étendues avec une infiltration inflammatoire peu importante. Donc, bafna la pièce à l'appendice, l'anapath. Adia okin fil cours, t'aikom, la description anatomopathologique t'a l'appendicite. Kéna l'catarale, phlegmoneuse, l'abcédé, gangréné. Donc, catarale, un appendice mural, non? Une appendicite catarale, catarale, c'est hyperémie avec richesse de vascularisation, donc ratien. Une gangrène appendiculaire, gangrène, c'est une nécrose. C'est une nécrose de la paroi appendiculaire avec infiltration inflammatoire. Donc, c'est le cas. C'est une gangrène appendiculaire dès un abcès appendiculaire. Régoutel comme abcès appendiculaire ou abcès barra ma l'appendice, l'ascre l'appendice. Par contre, une appendicite abcédée, il y a l'étude anatomopathologique. Hello l'appendice. نلقاو دي ميكرو ابسي سي ماكروسكوبيكمون مش لازم ميكروسكوبيكمون بعد انت كي تنحي لابانديس تحلو لابانديس هكا بالبيستوري تلقاو دي ميكرو ابسي ميم تلقاو برا كاين دي ميكرو ابسي في لا باروا ابانديكولا كواكو لابسي يجي ان اون كوليكسيون لاصقه في لابانديس دو توت فاسون دي نو او اون اوندو ابانديسيت سوب ايغو نو هادي اصلا اوندو ابنديسيت سوب ايغو نو ماهيش خلاص لو كا دونك لو دياغنوستيك عندكم لي فورم اناتوموباثولوجيك دو لابنديسيت في لو كو راح حفظوهم باه كي يجيب لكم لا ديسكريبسيون تعرفوا واش من ابنديسيت دون سو كا سي لا نيكروز ايتوندو دو لا باروا ابنديكولير سي اون غانغرين ابنديكولير لا كيسيون اللي بعدها حكي او 8e jour post-opératoire La patiente se plaint de dysurie, d'un arrêt du transit qu'elle avait repris au troisième jour post-opératoire, présence de glaire rectale avec une reprise thermique à 39 degrés. La numérotation formule sanguine montre 2000 éléments par millimètre cube avec 90% de polynucléaire neutrophile. Quel diagnostic évoquez-vous? Donc, Andna. La reprise du transit, on bat de l'arrêt, c'est en faveur d'une infection, soit péritonite, soit abcès. La reprise du transit, on bat arrêt du transit après la reprise, ou là, carrément la non-reprise, c'est en faveur d'une péritonite post-opératoire ou un abcès.
Donc, on a au huitième jour, on a arrêt du transit après la reprise, mais la présence de glaire rectale. Et je mets qui met comme malade opéré, surtout ils mettent l'appendicite. On va dire que les suivis post-opératoires, on a des signes urinaires et des signes digestifs. Pelviennes, des signes pelviens, rectales ou urinaires. On a la présence de glaire rectale. Mais arrêt du transit qu'elle avait reprise avec un syndrome infectieux fait de hyperleucocytose et une fièvre. Quand même, elle n'a pas la chiurie avec dysurie, c'est ni en faveur d'un abcès du Douglas. C'est les signes, c'est en faveur d'une collection abcédée, flocule de sac de Douglas. Quel diagnostic évoquez-vous? Abcès de la paroi, mais les signes digestifs. Fistule cécale? Non, fistule cécale, mais fistule cécale, des signes rectales avec glaire rectale par compression. Les signes rectaux, c'est par compression. Il dit que ténèse ou épreinte qui se relève un tableau digestif ou là un tableau urinaire fait de polyurie, dysurie par compression. Hématome pariétal infecté. Tout ce qui est pariétal n'a aucune relation avec les signes rectaux digestifs. Abcès du cul-de-sac de Douglas, oui. Hémopéritoine, mais il compte ce qui m'a fait. Hémopéritoine, je compte abdomen sensible, voire des signes de l'hémorragie, chute chute de la tension, tachycardie, des signes d'instabilité. Hémopéritoine, parce que hémorragie. Ou l'hémopéritoine post-opératoire, t'as l'appendicite par lâchage du méso-appendiculaire. L'artère appendiculaire اللي ربطناها تحل تربيطه هذيك وعاد تسنينا في وسط الابدومين درنا هيموبيريتوان هيموبيريتوان عنده لي سينيتي انستابيليتي ايموديناميك مع ابدومين سنسيبل فوار دي هكا بصح هنا عندنا ان سيندروم انفيكسيو سي ان فافور دي بيريتونيت بوست اوبيراتوار ولا ابسي ومادام عندنا دي سيني ريكتو معناها عندنا ابسي بار كومبريسيون ابسي دو دوغلاس ودنا دي سيني ريكتو بار كومبريسيون. Donc, la réponse juste, c'est abcès du Douglas. On passe. Question, comment peut-on confirmer le diagnostic d'un ictère cholestatique? Bon, on a un ictère. Pour confirmer que c'est un ictère cholestatique ou un ictère médical, la différence, ictère cholestatique, c'est par obstacle, les voies biliaires, obstacle au niveau du passage de la bile. Anna, la bile sort dans le foie, la vésicule biliaire stocke, on va trouver les voies biliaires, on va trouver le duodénum à travers l'ampoule de Vater ou une tlega bleu virson, c'est ce qui est beaucoup. Abcès fi wahda men tariq hadi dinna un abcès chirurgical. Plutôt obstacle fi une partie mais ce trajet, il y a un ictère cholestatique. Cholestatique, on a le cholestase. Donc, on a un obstacle, et après, la bile revient, il y a un ictère. Revient le sang, il y a un ictère. Comment on peut confirmer? Biologiquement, le bilan de cholestase est comptable. Le bilan de cholestase, c'est la bilirubine totale, directe, gamma GT, phosphatase alcaline, 5 nucléotidases. C'est le bilan de cholestase, nel gourtale. Plus 5 fois normal, 6 fois normal, mohim nel gourtale. Nel gour, mèche normale. Augmentation, c'est le bilan de cholestase. Donc, c'est la confirmation biologique, plus la confirmation cliniquement par des selles décolorées et des urines foncées, parce que le passage m'akenche. Donc, on a des selles décolorées. La bile m'a trouvé sur le tube digestif pour colorer les selles. Trouve le sang, bat foot à le rat. Ou trouve les urines, donc des urines foncées. Cliniquement par des selles décolorées et des urines foncées. Biologiquement par le bilan de cholestase positif. On bat confirmation échographique et voire scanner ou comme les investigations, les explorations radiologiques pour confirmer ou là pour mettre en évidence l'obstacle. J'espère la réponse. Une deuxième question. Est-ce que la douleur intense est un critère d'opérabilité devant un tableau d'occlusion? Mais rouge, un critère d'opérabilité, mais un critère de surveillance.
La douleur, bon, la douleur, في حد ذاتها, c'est un critère subjectif. كاين vraiment تكون حالة douloureuse, يقول لك ماهيش la douleur intense, ou كاين يقول لك بلي c'est une douleur intense, quoi que ماهيش douleur intense. ماهوش un critère d'opérabilité. La reprise ou non du transit, c'est un critère d'opérabilité. Ça a une information très importante, les interfores, qui ont un tableau douloureux, un syndrome occlusif douloureux. J'ai malade un tableau douloureux. بعد هنا حطيناه mise en condition et كذا بعد la disparition تاع la douleur c'est un critère de gravité علاه كي تعود كاينه la douleur معناها كاينه lutte بعد la disparition تاع la douleur معناها حبست l'intestin من ولا لو كولون من lutte هذيك donc اما تكون عندنا نيكروز ولا c'est une évolu يعني ولا non sensible ما عندش عندنا la douleur donc la douleur هذيك c'est un critère de surveillance ou l'absence de la douleur. Qui trouve la douleur, c'est un critère de gravité. Mais est-ce qu'il est un critère d'opérabilité devant un tableau d'occlusion? Non. Téléphone. Comme le bac, le cas clinique à Hakim, on va les questions parce que apparemment le téléphone a hésité à dire. Docteur, Oui. c'est bon le cas clinique. Ah, d'accord, c'est bien. Oui. On peut me les questions. Après, on va contrôler parce qu'on est juste. Allô? Hakim? Oui, docteur. معليش برك parce que انا خرجت من ما عادش خرج لي ديابو برك la question. Le syndrome d'Olivier est-il considéré comme une occlusion fonctionnelle colique ou non? Occlusion fonctionnelle ou non? Ouais, le Oui. syndrome d'Ogilvie, ce n'est pas une obstruction, c'est une pseudo-obstruction colique, parce que c'est une dilatation de tout ou une partie du cadre colique. C'est neurologique beaucoup plus, c'est fonctionnel, mais il y a un obstacle proprement dit, mais il y a une pseudo-obstruction. C'est une dilatation d'une partie ou là de tout le côlon ou là du rectum. Sans obstacle organique. Mais qu'est-ce que j'ai intrinsèque ou extrinsèque, la cause de l'obstruction. Vous avez dit la dilatation, dit un arrêt des matières et des gaz, dit un syndrome occlusif. On a dit que c'est organique parce que on peut pas mettre en évidence l'obstruction, qu'on soit intrinsèque ou la extrinsèque. D'ailleurs, c'est un diagnostic différentiel avec les obstacles organiques. Donc, d'une occlusion beaucoup plus, on peut dire que c'est fonctionnel, c'est pas organique. Parce que, à ce moment, la physiopathologie du syndrome d'Ogilvie est mal connue. Dans Une la autre question? gastrite chronique auto-immune, le siège. Oui. Dans la gastrite chronique auto-immune, La le gastrite, siège. c'est la Oui. gastro. Je préfère qu'un résident de gastro vous réponde. Ok, d'accord. Une autre question, Hakim? Oui. Dans la confirmation clinique du Richter cholestatique, à D'accord. côté des urines et selles, est-ce qu'on prend en compte le prurit et les lésions de la gattage? Oui, bien sûr.
Un ictère cholestatique, c'est le passage de la bile dans le sang. Le prurit avec, c'est les selles biliaires qui vont au tête la peau et diront le prurit. Donc, au dehors les signes cliniques, t'as l'ictère cholestatique. Parce que l'ictère médical, c'est l'incapacité du corps à conjuguer l'ictère. Ok, qu'est-ce qui cause hépatite, l'essentiel, la diarrhée, comme un résident de gastro, il qu'on fait à Khirmani. Je me permets de répondre aux questions de l'ictère cholestatique parce que c'est chirurgical. Donc, des urines foncées, oui, des selles décolorées avec prurite et des signes de grattage. Oui, c'est juste, c'est vrai. Donc, c'est une étape, les signes cliniques, tu as l'ictère cholestatique. D'accord. Normalement, c'est bon. D'accord. Si je m'écoute des questions, relis-moi les bacs sur les commentaires, je vais répondre, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui. C'est pour quand l'examen? Quel est Agbo ou quel est le Ah, il y a bon courage pour tout le monde. Inch'Allah, c'est Inch'Allah. Barak bien Allah que fik vous. Hakima. Bien, bon courage. Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. En fin de journée.